Hervaux. Nous sommes dans le département des Deux-Sèvres, tout en haut de la région Nouvelle-Aquitaine. Protégé par son château féodal, Hervaux, labellisé petite cité de caractère, recèle bien des trésors. Cité prospère à l'époque médiévale, elle connaît un nouvel essor au XIXe siècle, comme en témoignent ses halles couvertes ou encore l'éclectisme de l'architecture des maisons qui jalonnent ses rues. Il y a plusieurs points importants à découvrir à Hervaux, et notamment l'abbaye des Augustins, fondée à la fin du Xe siècle par Aldéar de d'Aulnay, dont le clocher s'élève majestueux entre les deux coteaux qui forment la ville. Et puis juste à côté de l'abbatiale, dans les anciens bâtiments conventuels, s'élève aussi un passionnant musée. Et puis, pour notre époque contemporaine, rappelons qu'il y eut ici, à Hervaux, juste avant la Seconde Guerre mondiale, un camp d'entraînement militaire pour l'armée polonaise résistante, qui devint ensuite un camp d'internement pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale qui étaient originaires d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, une nécropole leur est consacrée. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte d'Hervaux, petite cité de caractère.